Deuxième partie de Forgive Me, Father. Niveau suivant. C'est quoi cette grosse bestiole? Oh, de l'histoire. Attention, Scorbut! Protégez vos dents de la purulence en vous rinçant la bouche chaque jour avec un mélange d'eau de mer, de menthe et de sureau. Communiqué de la Société Marine Américaine. Tous les volontaires pour travailler sur les chalutiers dans le golfe du Maine, courant printemps-été, sont avisés de contacter le. On s'en fout. Bancroft. Allez, c'est bon. Ça commence direct. Mais deux coups de mon super fusil. Putain, d'ailleurs, il me reste un point de compétence disponible. C'est quoi ça? Augmentez votre maximum de santé, vous allez en avoir besoin, mais vraiment. Les points d'expérience en tuant des ennemis ne sont plus limités que par votre entendement. Je comprends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De toute façon, on peut redistribuer les points après. Vos poches ne peuvent qu'on. Ouais, allez. Est-ce que je peux marcher dans le... À mon avis, non. It's the wrong size. Is it gonna help? J'ai pris quoi? J'ai pas vu. Est-ce que je peux marcher? Ok. On peut marcher sous l'eau. Ça, c'est un nouveau qui lance des. C'est le poissonnier des poissons explosifs. Ah, pas frais le poisson là, pas du tout. Voilà le poissonnier. Chogotte. Ça s'appelle comme ça. Il y a les chogottes. Pas eu le temps de voir ton nom. Je voulais aller sur le baril. Attends, il y a de l'histoire. Le transporteur Blues. Non. On va arrêter de lire l'histoire, je crois. Port de Pestville, cargaison, coton, maïs, avoine, crevettes marinées, 8 tonneaux, pétrole. Je me suis totalement à côté. Ça. Décidez vous-même de votre sort. Better grab everything I can. C'est vachement bien caché. Un spliff gratuit. Vous venez de récupérer la... Ah non, la poupée vaudou. La capacité d'invoquer une force mystérieuse qui s'en prend à tous les ennemis proches. Cette compétence coûte également des points gagnés par la folie. Une compétence est affectée à la touche indiquée sur son icône et c'est la touche F. Le main, c'est à 45 minutes de chez toi. Ah ouais. Est-ce que tu reconnais les endroits? Quelqu'un a oublié cette poupée. It doesn't look like a normal toy, though. Ouais. Arrêtez de fumer, mademoiselle. Bon, on va l'essayer. On va essayer la poupée vaudou dès qu'on voit des ennemis. These noblemen have seen better days. Sauvegarde. Ah, salut. Je ne t'avais pas vu. Bon, la poupée, je peux pas l'utiliser pour l'instant. Il y a du poisson, il y a tout.
il s'appelle Fisher. C'est le pêcheur. Merde, 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 ils arrivent tous d'un coup. Oh, les réflexes nuls. C'est même pas un secret, ça. J'ai failli avancer. T'as déjà été plus jeune, mais ça fait grand le main, ça fait plusieurs centaines de kilomètres. J'ai failli tomber dans ce trou. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? À mon avis, j'ai pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Go! I didn't sign up for these working conditions. Oh le bordel! Oh le bordel! C'est bon la musique, calme-toi. Oh non! J'ai rien dit. Est-ce qu'elle est morte? Complètement. On a encore un, non? Wow, 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 wow. D'où ils sortent? D'où ils sortent, ceux-là? Pavé César, journal de bord, trajet 106, Nouvelle-Orléans, Boston. Capitaine Tom Phillips, nous avons appareillé pour la haute mer depuis la Nouvelle-Orléans à 7h46 avec un navire plein de coton, rouleaux de pétrole, 80 bonbonnes et d'alimentaires, 114 caisses, 72 tonneaux. Non. Trop de texte, je veux pas. Casse-toi de là, toi. Merde, il y avait un tonneau derrière lui. C'était pas un tonneau explosif. I've got something for the pain. Je sens que c'est pas une bonne approche. Ouais. Ouais, c'est le fail. Oh là là, c'est qui ceux-là? C'est quoi cette petite famille là? Oh, je recommence là? Aveuglement. Non, je vois rien là. Audio, la musique elle est cool, hein. Mais un petit peu forte. Tout à l'heure. La poupée, merde, la poupée je peux pas l'utiliser. Famille typique du Maine. J'ai l'impression d'oublier un truc. Ouais. Oui.
Même si c'est pas un secret, ça sert. Hey, salut mec. Ouais, attends, attends, mais ouais, bien. T'as bien fait de m'appeler. I didn't sign up for these working conditions. Ah, t'es obligé de te faire choper. Je commence à avoir l'habitude. Merde. Je sens que ça va mal se passer là. Comme tout à l'heure. Ah mais j'ai la poupée, attendez, on va essayer la poupée. Nul. C'est nul à chier. La poupée c'est nul. Merde, merde, merde. Bon bah je suis mal barré. Il est mort lui, je sais pas. Ok. Ok, 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 ok. Fusil à pompe à fond quoi. Bon, là, tout le monde est mort. Je vais aller avec ça, tiens. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est là que j'aurais dû faire la photo. Utiliser mon couteau aussi. Allez, on y va doucement. Well, that's not my worst nightmare anymore. Tout doux, tout doux, tout doux. C'est super sombre. Parfait. Voilà, on se les fait de loin, tranquillement. Là-dessus. En toute simplicité. Il y avait un ennemi là.
Plans architecturaux du laboratoire secret, fragments d'une clé ovale taillée dans un météorite et médaillon d'or portant la rune d'une secte. Salut! Il me voit? Est-ce que tu me vois? Il me voit pas. Pétrole, ouais, ouais c'est du pétrole. Terminé le niveau. Déjà? J'ai raté un secret. Bien, 9 minutes, terminé à 98%. J'ai un succès déverrouillé, intouchable. Je crois que c'est le premier succès d'ailleurs. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai terminé un chapitre? Point disponible. Je sais pas ce que ça veut dire ça. C'est quoi ça, les gains d'expérience en tuant des ennemis ne sont plus limités que par votre entendement? Et ça? Ça c'est de la merde. Ouais, peut-être la lampe? Ou le spliff? Ça c'est quoi? Ouais, plus ça. Lewis! Lewis! C'est moi! Mais ça s'écrit pas pareil. L'ingestion peut provoquer une diarrhée aiguë, voire la mort de l'iode. Rapide, toi. C'est un rapide. Ouais, ça va. Corps à corps. Corps à corps, lui. Le liquidator. Wow. C'est un piège. J'ai plus de... Merde, j'ai plus de fusil à pompe. J'ai plus de fusil à pompe. Je crois que je vais améliorer mon couteau la prochaine fois. Ou les munitions. Un des deux. En gros, plus de points d'expérience. D'accord. J'aurais dû le prendre là. What? J'ai tiré, j'ai pas vu. C'était quoi? Il y en a un autre. C'était quoi la bestiole là? Oh là là. Et là? Ah! Death doesn't feel that bad anymore. Ouais. Pas trop envie d'aller par là. Bon, vous venez? Non, vous venez pas. C'est toi qui fais ça? Ouche. C'est quoi? Ah oui. C'est pas mort. Le patient. C'est le patient. C'est comme les witch. Les witch Lorraine. Il vous faut la clé jaune. Oh là là, c'est dégueu. Mais casse-toi! Mais
Samantha Morgan, 17 ans, 1m70, 64 kg, pathologie, cauchemar, pensée suicidaire, administration de puissants psychotropes. À défaut d'une amélioration dans les 2 semaines, je recommande une lobotomie. Non, mais je crois que là, elle a la tête retournée. Elle est morte. Elle est morte! Bouge pas, toi. Ok. L'histoire de chacun, ouais. Wes Murphy, 54 ans. Patient retrouvé catatonique, mydriase réactive, paralysie musculaire, non-réaction au stimuli externe. Thérapeute. Oh là là, mais c'est quoi cette police de caractère? Thérapie, administration médicamenteuse intramusculaire, la sismothérapie. On va le tuer! C'est mort. C'est mort. C'est qui m'a attaqué là? Toi? Qui c'est qui m'a attaqué par derrière? Why serious? Why so serious? Je ne connais pas ton histoire, je ne suis pas intéressé. J'aurais dû le finir au petit flingue. Là. Oh là là. Il a un masque. Il a un masque. Ok. Oh, on peut pas se baisser. Flip! Amélioration disponible. On avait dit munitions, hein, parce qu'on n'en a pas assez de munitions. Ah non, on avait dit pour l'expérience, merde. C'était pas parfait, c'était beau, mais voilà. Je joue mieux, j'ai l'impression. Je commence à m'y faire. Tu l'as déjà dit, ça. J'ai envie d'aller par là. What? Melted Liquidator. Pas bon ça. Il faut la clé bleue. Wow, t'approches pas. Je me demande ce que ça te donne ici. Avec le blur activé. Avec le bloom. Ouais. Allez, je reste un peu comme ça. Ouais, finalement, non. C'est trop. C'est trop. Now we're getting somewhere. Je me casse de là. Donc ça sort, ça. Oh merde! Le poissonnier. Je vais sauvegarder. Sauvegarde. Je rêve ou ça n'a pas fonctionné? Very convenient. Peut-être parce qu'il y avait un ennemi à proximité. Bon, ok, très bien. Ça sert à quoi de venir là? Oh, je suis pas fan du Bloom.
ici. Bon, y a rien ici en fait. La clé jaune. Bon là, je sens que ça va être la fête. Ça va sortir de tous les côtés. Dès que je vais prendre la clé. Voilà! On va mettre deux coups cela. Oh merde, les autres qui arrivent là. C'est super, mais dégueulasse. Et ouais. J'aurais dû mettre en facile. Je joue beaucoup plus au corps à corps là, j'ai pas assez de munitions. Un peu plus souvent. I'll slaughter all of you. Voilà. Voilà. J'ai dit. C'est comme ça qu'on joue. T'appuies sur toutes les touches et un bout d'histoire là. Ok, ce sont des croquis. Bien sûr, c'est facile. Mais oui. J'ai pris la clé jaune. La porte jaune, elle est où déjà? Oh! Elle serait pas là par hasard. Ici. Là. J'ai entendu quelqu'un rigoler. My future self will thank me later. C'est le mur de chair de la mort. Oh, c'est stylé. Bon bah on se grouille. On se grouille. Ah merde! Ok, d'accord. On avance. Il faut remonter. Pas le temps. Oh merde. Bon, ça va. C'est pas facile. Ok.
Le mur de chair de la mort. Là, il y a sûrement des trucs cachés ici. Comment on peut pas sauvegarder? Oh là là. J'ai envie d'aller voir. Est-ce qu'on peut sauvegarder ici? Great find. Secret débloqué 0 sur 1. Oh, on va refaire le mur de chair là. Écoute. Allez, on y va. Y'a rien. Y'a rien. Je suis bloqué. Et merde. Si seulement on pouvait se baisser au moins. Non! Bon, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Je suis déçu. It's the flesh wall of doom. The flesh wall of doom. Je vous marche dessus. On termine le niveau. 12 minutes 24. Faut détruire les tonneaux? J'avais même pas vu ça. C'est quoi ça? C'est quoi ces robots? Merci pour les GG. L'hôpital toujours. On va catharsis. D'accord, on marche pas là-dessus. Ça balance des bombes. Ça balance des bouboules. Vous regardez le sol. Ok, d'accord. Par contre, je les retire que dalle. Première phase. Non. Putain, le son. Le son est super fort. Aucune stratégie. Oh d'accord, il envoie des trucs au sol. Oh la vache. J'ai une munition illimitée ou quoi? Mais je te défonce! Non, j'avais juste beaucoup de munitions. Bon bah voilà, catharsis n'est plus. Il y a combien de secrets ici? 6-0. Voilà, 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 voilà. Ce boss te garde à l'œil. Vous gagnez un point de réinitialisation de compétences. On peut le faire qu'une seule fois. D'accord. You've managed to kill this monster. And now, what's next? You hear a metallic sound coming from one of the coolers. It's Dr. Sullivan, hiding from the world. He recognizes your face. He slowly comes back to his senses. He gives you a key with the image of Cthulhu. You will open the gates of darkness with it. He directs you to the hills outside the city. That's where they took everyone.
Your cousin is there. They're in great danger. Suddenly, something attacks Dr. Sullivan. He's dying in convulsions before your eyes. What is the fate of Lewis? You must hurry. D'accord. Bon, faut se mettre d'accord, hein. C'est Louis ou c'est Louis? Parce que c'est écrit pas pareil. Bon. Pourquoi j'atterris ici? L'histoire. Abraham Mahoney, Lisbeth Mahoney. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est le caveau? Il est mort, le mec? Je comprends rien. Bon, voyons voir ailleurs. Y'a quoi par là? What? Il y a des gens qui courent vers moi, là. Oh là là, oh là là, bougez pas. Vous êtes nus. Vous êtes nus. Il y en a un qui est bloqué. Très bien. Allons là-dedans. Il n'y a rien. Réussir à me perdre. Rentrons là. Salut! Il m'attendait. Oh merde. Non, pas eux. Très silencieux. Il y en a qui vont me sauter dessus. Aïe aïe aïe. Mais attends, un couteau là. Mais ouais. Là on utilise le couteau. D'ailleurs ce sera le prochain truc à augmenter. Tout de suite. Le couteau, il est là. Un couteau plus grand, plus lourd et plus acéré. Dégâts nettement plus élevés et des couteaux de poche conçus pour les concours de lancer au pub. Ouais non. Ça c'est bien. Now this is a knife. Ça c'est un knife. Oh ouais. Oh ouais, je préfère. Je fais la run au couteau. C'est quoi ça? C'est quoi? Pas le temps de voir. Boule. Oh mais attends, ça va exploser ça, non? Non, par contre c'est hyper résistant. C'est bien parce que j'économise des munitions. Je crois que je vais augmenter à fond le couteau. Crocodile Tundi, voilà. J'aime bien le gameplay au couteau. Non mais c'est carrément mieux quoi. Allez, prochain upgrade, le couteau. Ça va.
transporte une pierre tombale. Anne-Louis. Dommage qu'il n'y ait pas de carte. Bon, allez, on avance. C'était quoi? J'espère que j'oublie rien. Ouais, j'oublie rien. Ah, ok. Bon. Il y a deux chemins. Munitions! Oh, même contre eux, c'est cool. Bon, par contre, quand il y aura 200 ennemis... RIP au défunt en mer dans le capitaine Tom Phillips, dont le capitaine est... Ouais, okay. D'accord, c'est le naufragé. Ce panneau ne sert à rien. Ouais. On est bien que j'avais entendu des voix. C'est bizarre qu'il n'y a rien ici. Ah, laisse tomber. Combien de secrets? On a 3. Partout. Oh! Est-ce que j'ai encore un? Non. De points de compétence. Pas la patience. Faut switch entre le couteau et le shotgun quand c'est trop chaud. Et merde. On voit rien ici. Il y a trop de brouillard. Merde, il était pas mort lui. Il a donné 2 coups au shotgun. Il faut faire attention à mon énergie. Il y a un truc par ici. Ouais, mais les panneaux là. C'est la bonne direction. Je me suis paumé. En bas. C'est un secret. Je suis paumé. Je sais pas où aller. Peut-être là. On va suivre ce panneau.
Sauvegarde. Papy sauvegarde. I can count on you. Gars qui court. On va le choper. 2416 sur 4299. C'est très précis. Ce passage, il y a plein de munitions. Je devrais utiliser mon arme. C'est des munitions de ça? Non, oh, pff, shotgun carrément. Carrément, allez go. Je sens que ça va chauffer là. Là, ça va chauffer. C'est même pas assez puissant pour les tuer en un coup. Oh merde! Je l'ai pas entendu arriver lui. Oh, je te... Qu'est-ce que je... Hop, there it goes. Déjà la sauvegarde. Allez go go, on avance. Santé mon ami. Mine now. C'est quoi ça? Il y a un nouveau là. Ça se passe bien. Oh toi par contre. On a un deuxième. Sûrement la même chose de l'autre côté. Non. Il est immense ce cimetière. Terminer le niveau. Non. Bon, allez go. Facile. 110. Il y en a un qui s'est échappé. Secret 2 sur 3. J'ai hâte d'augmenter mon couteau. Bientôt. Augmenter votre maximum d'armure. Ah non. Non, mais. En prévision des horreurs qui vous attendent. On peut pas augmenter le couteau.
Couteau, 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 couteau. Non, on peut pas augmenter le couteau. Et après, il y aura une... Je sais pas ce que c'est là, une tronçonneuse. Et ça, c'est quoi? Et ça, je veux ça. Augmenter votre maximum de santé. Donc la défense, la santé. Maximum de santé. Gain d'expérience. Ça, c'est... Ça, je vais prendre. Et là? Maximum d'armure. D'accord. Ok. Merci pour les GG. Et volant de légendaire et Fallout 3 Free. Ah, je les ai déjà. Je les ai déjà. Ah, ça a été vite quand même. Je crois que j'ai activé les précédents jeux il y a 2 jours à peine. C'était quoi déjà? Je sais plus. Histoire. Quand le Seigneur reviendra, tu te relèveras. You will rise again. Hello! Faut que je visais. Disponible. Donc on avait dit quoi? On avait dit bonsoir Valédrem, on avait dit. On avait dit, je sais pas, ça. Ouais, ça. The knowledge. Oh, I've opened my third eye. Le savoir, j'ai ouvert mon troisième œil. Adam Litwin. Oh merde, merde! Là c'est. Voilà, là c'est fusil à pompe, t'hésites pas. Pas d'hésitation à avoir. Entre les patients. T'es qui toi, goule? Ta goule! Alcool! Oh merde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? J'ai entendu un bruit et... C'est quoi? Darkbone? On va se le faire. C'est parce que j'ai... C'est parce que j'ai détruit la petite croix en bois? C'est ça? C'est peut-être ça. Merde, il est où? Mais il est où? Il revient plus. Ok. Approchez-vous. Ça a marché, vraiment? Des fleurs. Là, il y a un truc. D'accord. Dark Bane. Merde.
cache-cache, lui. Qu'est-ce que tu fais par terre, toi? Eh la calme, calme. Non, 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 non. Je joue très mal. Elle est où la sale bête? La sale bête, elle va apparaître. L'arme de merde. Does this count as evidence? Ça compte comme preuve. Ça pue, mais ça pue tellement là. Est-ce que je rentre là? C'est le fait de casser les tombes, là, les croix. Let's do it. Let's do it. Allez, pas peur, moi je reste ici. La télé va s'éteindre, c'est pas le moment. Tu pouvais pas faire ça il y a 2 secondes. Et casse-toi. Je vais sortir de là. Oh merde. Non. Voilà, j'ai plein de munitions, je peux en profiter. Toujours au corps à corps. Ça me permet d'économiser à fond. Tout simplement. J'aimerais bien revoir la grosse bestiole là. J'avais presque achevé. Le Darkbane. J'ai plus de munitions de fusil. Mais c'est court! Au secours, c'est trop court! Well, time to face the darkness. Je me demande combien de temps. En combien de temps on finit ce jeu? Parce que l'arbre de compétences, à mon avis, je ne pourrai jamais le compléter. Pourquoi il y a une croix? Parce que j'ai choisi ça plutôt que ça. Merde, je savais pas ça par contre. Oups. Oups! Aïe aïe aïe! Oh, les mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix. Bon, là, je peux toujours prendre ça. Mais je ne peux plus prendre ça, ni ça. Oh là là. Bon, ok. Je ne savais pas. Ah ben, tiens. Et voilà. Tout simplement. Je l'ai eu, là. Je ne suis pas sûr. Ouais, je crois que je l'ai eu. Toujours un succès, un secret.
Resurrection of the Dormant. On appelle ça un réveil. Niveau suivant. Combien il y a de niveaux dans ce jeu ? Moi, je me dis, j'en ai pour 20 heures, 30 heures. J'en sais rien, en fait. Ça va venir à l'infini ? Oh là là, c'est quoi ça ? Tentacule ! C'est terminé. Ok, ça générait des zombies. Vous venez de récupérer les clopes, une capacité qui ralentit temporairement les ennemis, mais pas vous. oui, ce qui est normal. Cette compétence coûte également des points gagnés par la folie. Une compétence est affectée à la touche indiquée sur son icône. Ça ralentit le temps pour les ennemis. Logique. Il y a des inscriptions sur les murs. Oh. Il fait un caméa lui. Il se téléporte. Voilà, au couteau, le Yellow Christ. Cultiste Christ. Yellow cultiste. C'est quoi ton histoire ? Le silence est d'or. D'accord. Oh non. Oh non, pas des araignées. Oh non, pas les araignées. This place is full of monsters. On peut passer à travers, oui. Écho. J'ai bien fait de faire ce que je viens de faire. Et l'autre ? L'autre, c'est un peu loin par contre. Merde, ils vont arriver. Ah, j'y vais direct. Oh, salut. Comment ils sont montés par un escalier? Non, là. I can count on you. Là, il y a la porte bleue. Ah, mais j'avais détruit le truc. Ok. Shouldn't have been drinking this. Mais si. Faut qu'on va se barrer là-haut. Il est énorme là. Oui, point disponible. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit 100. Augmentez votre maximum d'armure.
I always wanted to wear two bulletproof vests. Oh, il y a du monde. Allez, go! Ah, c'est rapide. Oh merde, merde, je me prends toutes les boules parce que je suis coincé dans l'escalier. Mais oui, mais oui. Trop facile. Oh merde. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es coincé. Heureusement que tu gueules, toi. Death doesn't feel that bad anymore. C'est la suite, ça? Non. Bon, il y a deux portes bleues, faut pas oublier. Je tape dans les jambes. Aïe aïe aïe. Do you know about war safety? C'est pas du tout ça qu'elle a dit. Est-ce que je peux aller par là? Oups, trop peu d'armes. Histoire. Qui boit meurt, qui meurt se lève. Qui boit meurt, et qui meurt se lève. Il manque des textures. Là. Bon. C'est juste pour ça. J'ai l'impression d'avoir zappé un truc là. Hey, poteau. La clé. Pour la clé, pas trop vite. Hein. C'est ce qui se passe quand on prend les clés. T'as la musique qui s'allume. On est parti. Voilà. Donc il n'y a pas de musique. Non. Pas ça rapide. C'est quoi? C'est une goule. C'est ça. C'est ça. Eh mais c'est immense ici.
Evelyn et Rick, ils n'ont parié que leur vie, jamais leur argent. Oups. Pas de secret ici. Salut! Oh non, pas lui. Je vais prendre en photo. Merde! Le livre de la résurrection, anthologie de rituels vitaux pour accueillir ce qui était perdu. I've got to find a way out of here. Oh, de la viande, c'est que de la viande. Il y en a un là-haut qui fait chier. J'avais pas vu que j'avais si peu de vie aussi. Je suis pas concentré. Ouais, 2 points de vie, bien vu, j'avais pas vu. Oh merde, oui, j'ai sauvegardé à 2 points de vie. Est-ce que je peux cramer? Tu peux cramer complètement. J'ai sauvegardé à 2 points de vie. D'accord. Ça, c'est pas bon. J'ai pas fait gaffe. J'allais dire le jeu est trop facile et voilà. Le karma. Je vais voir s'il n'y a pas un peu de... Merde. Je peux récupérer des points d'énergie ici. Ah, attention toi. Mon avis, pas par là. Je vais crever. Coucou. Putain, mais c'est immense. Ah, 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 santé. That's a huge relief. Ah, ah, ah. Aïe, 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 aïe. Ah, la mauvaise sauvegarde. La très... Très mauvaise sauvegarde. Hmm. Ouais, ouais, t'aurais pu m'avertir. Hein. Plutôt que de faire. Hey! Comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir maintenant? Y'a rien. Hey.
Sensato! Merci beaucoup pour le gift sub à Madame Bad. Bonsoir Sensato. Un gros 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 merci. Et là je découvre Forgive Me Father qui est bien. Il est bien. Il est juste bien. Salut Madame Bad. Je peux pas rester. Eh ben merci beaucoup. Bon stream. Tu vas streamer là? Oh là là. Sacrément, j'ai plus de vie. J'ai redeem des points sur sa chaîne pour avoir un abonnement gratos, alors je prends ici. Merci beaucoup. Est-ce que tu pars en stream là, Sensato? Terminer le niveau. Terminer le niveau, mais... Ouais, allez, on avance. Je sais que j'ai raté plein de trucs. Merci pour le resub, Sensato. Continue ton bon boulot. Merci. Jean-Pierre Software. Je vais mourir. Ouais, je me casse. Je me casse. Pas de problème. Pas de problème. J'ai plus de munitions. Ah non, mais vive le petit flingue, quoi. Je le touche, là. Merde. Je pensais que j'aurais... Je pensais que j'aurais eu le temps de l'esquiver. Non ! 7 points de vie ! Très joli jeu. Ouais. Un style Darkest Dungeon. C'est sorti cette année, avril 2022, je crois. Je dis pas de bêtises. Oh, par contre, j'ai plus que 2 points. Voilà, j'ai 2 points de vie, j'ai fait une sauvegarde. Voilà où j'en suis. En résumé... Superbe sauvegarde. Est-ce que je peux reprendre une sauvegarde avant? On va commencer, ouais. Oh, c'est le diff. Eh, pas envie. Vas-y, tire. Non, il était par terre. Il m'a croqué le pied. Je me suis fait croquer la patte, et puis voilà. Est-ce que je peux tuer le... Pas tuer le vieux. Un peu de respect. Bonsoir, Don Pablo. Ouais, le tricheur. En fait, il m'a écrasé le pied. Avec son poing. Oh là là, je suis tellement mal barré. J'ai joué comme une merde. Ah, fusil à pompe. Man, I feel so much better now. Ouais, et je crois que je vais sauvegarder comme ça c'est fait. Il est où? Il est là. Attention. On est reparti. Je crois que je vais avancer. Je vais pas reculer. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Fin du niveau. Rien à faire. Rien à foutre. Voilà. J'ai fui. Niveau suivant. J'aurais dû faire comme ça depuis le début. Ah, de retour dans la forêt. Crocodile Sandy. C'est parti. J'aurais dû prendre le prêtre. Quoi? Créature des marécages. Sandy dans la swamp. Ok.
Ok, 37 points de vie. Wish I had rainbow. Je vais essayer les clopes, tiens. Donc ça ralentit les ennemis, mais pas moi, c'est ça? Ouais, d'accord. Ah, ça, ça a ralenti, quoi. Il me faut la clé jaune. C'est nouveau, ça? Non, c'est toujours des liquidateurs. D'où? Qui a fait ça? Ouais, des bottes de pluie. On va lui acheter des bottes de pluie. Hein. Merci Don Pablo, merci pour ton follow. J'ai pas vu la manette. Manette de SNES. Oui, j'ai vu. Cours de munitions. Qui me balance son caca là? C'est quoi? Qui c'est qui balance ça? C'est qui envoie ça? D'accord, c'est ça. Okay. C'est ça qui m'a tué tout. Ça balance des boulettes de viande. Aïe aïe! C'est dégueu! Oh, par contre, j'ai plus assez de vie pour ça. Qu'est-ce que je. Photo! La photo! Aïe 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 aïe! Bonsoir, Daft Punk! Daft Punk! C'est l'enfer. 37 points de vie. Wish I had rain boots. Oh non, tu vas pas répéter ça à chaque fois. Ferme-le. Je vais prendre les clopes. Clopes. Oh, vive le corps à corps. Ça m'apprendra à sauvegarder quand il faut pas. Hein. Bordel. Si je me recommençais le niveau. Ouais, mais non, ça craint. Enfin, si je me recommençais le niveau, il se passe rien. Je. Ben, je sais pas. Wish I had rain boots. Ce sera le titre de cette vidéo. J'espère avoir des bottes de pluie. Pro type, joue mieux. Dégueulasse. Swamp man. Lui, il est hyper dangereux. Balance des poissons explosifs. Merde. Il les balance super loin. Super bien. On a toujours 37 points de vie. Hein. Là j'ai juste fait un perfect. Faut absolument que je survive. There it goes. Comme un bouchon de champagne. Le truc qui lance des caca font le même bruit que Kazooie, le banjo et Kazooie. J'ai jamais fait. C'est la deuxième fois que je vois ce jeu apparaître aujourd'hui. Y'a quelqu'un qui veut que je fasse banjo et Kazooie. Ou Céleste. Oh, c'était quoi? C'était...
Il y a un pêcheur là qui est sorti de l'eau. Ah là là, non, non, c'est une publicité, c'est une pancarte. Par contre, il y a un connard qui me balance son caca là. C'est quoi ça? Cultist Forest. Oh non! Oh, ça craint! Ça craint! Niveau disponible! 17 points de vie. C'est un pêcheur. Il y a bien de la vie là-dedans. Non. Non, non, il y a un peu de santé. Un peu d'histoire. Conte des profondeurs, volume 2. Des légendes de faire frissonner les pubs. On l'a déjà lu, ça. La cité perdue, les assoupis. Au bord du monde. Le gémissement de la baleine. Pas frais son poisson. Pas du tout. Bon ben voilà. Now we're getting somewhere. Monkey. What? Anachronisme. Quelques easter eggs, quelques références. Est-ce que je peux aller là? Attention les cultistes. Oh mon pote. Bon maintenant on peut sauvegarder. Catherine, je te confie à la Providence en espérant que tout l'amour du monde soit de ton côté. Mon bon monsieur, veillez bien sur cette fille que je ne mérite point. Emma. Ouais, ouais, ouais. Oh. Welcome to Hell Film. Ouais, bah plus tard, j'ai plutôt envie d'aller par là. Vous m'excuserez. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oh, merde. Trop tard. De la santé, des points d'armure, on revit enfin. Par contre, c'est quoi cet endroit là? C'est la suite? Oh merde. Je me suis embarqué dans quoi là? On se casse, on se casse. C'est la suite ça? C'est quoi ce temps? Oh là 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 là, je sais plus jouer. Je sais, 6 points de vie. Elfil, c'est peut-être un champ de tir pour farmer. Bon, en tout cas, on va mourir. On va mourir, j'ai dit. On va le refaire. On va le refaire. On va aller directement là. Je vais aller directement là. Elfield. Et on joue mieux. R, Q... Ah, Q. Ah oui, mais parfait. Et la clé bleue est là. Celui-là au-dessus me fait chier. Je peux y aller ou pas? Non. On va aller faire ça avant. Ça va?
C'était propre. C'était propre. Bon, par contre, ça sert à quoi? Ça sert à tuer des... Ah, il y a un bout d'histoire. Retraite de l'avant-paroisse de la résurrection Halfling County. Et ça, c'est les toilettes. Ouais, j'ai la clé bleue. En tout cas, je commence à m'y faire et je commence à bien apprécier le jeu. Ça se voit pas comme ça, mais... Au début, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Mais là, c'est vachement bien. Allez, sauvegarde. Du coup, on va aller par là. Non. Ouais, c'était par là. C'est ça. Ouais, c'est par là. Ça, en priorité... Sauvegarder en fait. Non. On peut se faire toucher par les autres. Ils peuvent s'entretuer en fait. C'est dommage qu'on puisse pas zoomer. Tenter plus tard. Je crois que je vais aller au point de sauvegarde dans pas longtemps. Je nettoie cette zone et je retourne au point de sauvegarde. Qu'est-ce que tu veux, toi? Le couteau, c'est très bien aussi contre eux. Et là, il y a une porte. La clé jaune. Attends, c'est le début, ça, non? Mais oui! Je suis revenu au début. Bon, j'ai la clé bleue, la clé rouge. Je vais pouvoir aller ici, je crois. Non, c'est pas ici. Oh! Là, il n'y a pas de porte. Non. On l'avait vu la porte? Je l'avais vu, je sais plus. Par là. J'ai 27. Oui, c'est par ici! Ce village. Aïe.
Ça manque de grenades. Ouais. J'abandonne. J'abandonne. Tuez-moi. Tuez-moi. Non. Mauvaise approche. Faut y aller doucement là. Infiltration. Salut. Elle sort de l'eau. Pour passer ce mur. Ce mur d'ennemis là. Une histoire. Paroisse de la Résurrection, Halfling County. Better grab everything I can. Je vais y aller. Mais c'est... Oh là là là, qu'est-ce qu'il fait là le poissonnier? Il a fait le tour. I'm out. Wow, santé. Peau de loup. J'arrive. La clé jaune. Oh merde. Je sauvegarde. On peut pas sauvegarder, d'accord. Je ne savais pas. Merde. Oh la folie là. Bouge pas. Nouvelle arme. Ok, un harpon. Oh, c'est bon ça. Le 6 décembre 1925, nous avons été surpris par une violente tempête, averti trop tard pour échapper à cette force de la nature. Le navire a dérivé en haute mer. Une partie de l'équipage a été prise de délire. Moi-même, j'ignore si ce que nous avons vu était un rêve ou la réalité. À l'horizon, j'ai remarqué une île qui ne figure sur aucune carte. Coordonnées probables. 31, 43, 55, 64, 25, 20. 7 décembre 1926, je me suis barricadé dans une cabine. Quelle folle. Une mutinerie à bord. Une mute. C'est quoi ce poisson? Mais je te prends en photo, toi. Bon. Je veux en savoir plus sur le lore de ce poisson. Sauvegarde. Au cas où.
Bon, maintenant j'ai la clé jaune et je dois revenir au tout début du stage. How to skin deer. Comment dépecer un... Voilà. Une biche. Monster JP Hunter. Salut Sadjouk. Sont des beaux JPEG. Bon, maintenant que j'ai la carte jaune, la clé jaune. J'espère que c'est bien par là. J'avais lu ça. Ouais, j'avais lu ça. C'était quoi? Vous avez entendu? Vous avez entendu? J'ai entendu un gars qui a fait tembélébélé ou un truc comme ça. C'est lui? Putain, j'ai des hallucinations. Auditives. C'est lui? The Forest, c'est possible. Je l'ai pas fait. Là. Terminé le niveau déjà. Bien. Ce fut une grosse session, mais très intéressant. Je commence à apprécier le jeu. J'espère qu'il va pas bientôt finir. J'espère qu'il est encore assez long. Et voilà. Compris ?